Depuis de nombreuses années, Faustine Bollard occupe le poste de présentatrice de l'émission « Ça commence aujourd'hui ». Malheureusement, les fans doivent faire face à la déception que cette émission ne soit actuellement plus diffusée sur la deuxième chaîne. Faustine Bollard enchaîne les succès avec les différents épisodes de « Ça commence aujourd'hui ». Pour sa sixième saison, le programme bat des records d'audience. Le vendredi 26 mai, l'émission a atteint un impressionnant taux de part de marché de 13,6%. En janvier, ce chiffre avait grimpé à 17%. À chaque épisode, les témoignages se révèlent d'une intensité croissante. La semaine précédente, Faustine Bollard avait reçu une femme courageuse qui partageait son expérience d'agression sexuelle impliquant Claude François. Ce segment en particulier a profondément marqué la présentatrice, à tel point qu'elle l'a partagé sur Instagram avec ces mots. J'adresse une pensée affectueuse à Christine, dont l'histoire insoutenable a suscité en moi une indignation si profonde qu'elle m'a poussée à exprimer ma colère. Faustine Bollard a alors encouragé son invitée à exprimer verbalement ce qu'elle avait enduré. Bien sûr, nous n'avons que votre version de l'histoire étant donné que nous sommes à la télévision. Nous devons prendre des précautions. Voulez-vous dire que Claude François vous aurait violé ? A-t-elle alors demandé. Son invité a préféré utiliser l'expression « première relation sans consentement », une réponse qui a profondément choqué l'animatrice. « Pourquoi est-ce si difficile de le dire ? Avez-vous peur de ne pas l'être cru ? Moi, je vous crois. Je vous crois de tout mon cœur. Si vous n'avez pas donné votre consentement, alors vous avez été victime d'un viol. » Ce coup de colère a suscité l'adhésion des téléspectateurs. Malheureusement pour eux, il est temps pour Faustine Bollard de faire une pause. En effet, l'émission ne sera plus diffusée pendant 2 semaines. Celle qui s'est récemment confiée sur la chirurgie esthétique et son émission ont été éclipsées par un autre programme. Jusqu'au 11 juin, le tournoi de Roland-Garros occupe la place sur la deuxième chaîne. Néanmoins, Ça commence aujourd'hui, fera son retour dès le lundi 8 juin à 13h55. D'autres émissions seront également touchées par des déprogrammations temporaires, notamment « Affaires conclues » et « N'oubliez pas les paroles », qui retrouveront leur place à l'antenne à partir du 12 juin.